Duel de promu entre Bastia et Reims. Les Corses, champions de Ligue 2, ont envie de poursuivre sur leur lancée. Ils reviennent une victoire sur la pelouse de Chouchou, 3-2. Et ils veulent gagner ce match devant leur public, avec la plupart de leurs recrues alignées. Reims, de son côté, s'est incliné à la maison 1-0 contre Marseille et veut prendre un point à l'extérieur pour se rassurer. Une grosse ambiance au stade Furiani, qui pourtant n'est pas encore totalement rénové. Les Rémois sont les premiers à se montrer dangereux et à ouvrir le score. C'est la surprise à Furiani. L'ouverture du score à la 6e minute seulement sur cette passe de Sekat. C'est Nicolas Fauvergue qui réussit à tromper la vigilance de Novaes, le gardien brésilien de Bastia. Le stade de Reims marque son premier but en Ligue 1 depuis son retour dans l'élite. Il n'avait pas réussi à marquer contre Marseille. Il marque à l'extérieur. Les Rémois sont bien lancés. Mais la réaction corse ne se fait pas attendre avec cette bonne opportunité sauvée par Kossi Agassa, le gardien de but togolais, très expérimenté, 34 ans, face à Maoulida, l'attaquant Bastien, lui aussi très expérimenté. La tête sur la barre transversale de Maoulida et la reprise acrobatique d'Anthony Modeste. Ça passe à côté, pas de réussite pour les Bastiais. Invincible à la maison la saison dernière. Les Corses à la mi-temps sont menés 1-0, c'est une surprise. Ils reviennent de plus belle en seconde période avec cette remise dans la surface de réparation et le pénalty. L'arbitre, monsieur Rainville, n'a pas hésité. Il sort le carton rouge terrible contre Weber. Weber empêche Thauvin d'aller frapper à bout portant. Le pénalty frappé par Modeste à la 62e minute. Et c'est l'égalisation de Bastia, un but partout. Bastia a su égaliser et Reims va devoir évoluer 30 minutes à 10 contre 11. Modeste qui réussit un très bon début de saison, transféré des Girondins de Bordeaux. Les Rémois ont du mal à conserver le ballon et Bastia qui insiste avec ce nouveau fauchage au milieu du terrain. Et l'arbitre qui va sortir le deuxième carton rouge. Cette fois-ci, il est pour Tac Alfred à la 82e minute. C'est terrible pour les Rémois qui sont privés de leur charnière centrale. Les deux défenseurs centraux ont été exclus. Reims qui essaye de tenir ce point du nul à 9 contre 11. Le coup franc, Bastia est passé à côté. Mais il reste encore des occasions avec cette tête sur le poteau. C'est peut-être pas terminé avec cette passe en retrait de Modeste. Ilan qui marque. C'est la dernière action du match, 95e minute. Extraordinaire dénouement pour les Bastiais qui vont arracher les 3 points de la victoire. Sur son banc, le coach de Reims est anéanti. Hubert Fournier pensait que son équipe tiendrait un point, mais elle s'effondre sur la dernière action. Et Ilan, le Brésilien, qui marque à bout portant. Bastia enchaîne, deuxième victoire consécutive à 11 contre 9. Victoire 2-1 contre Reims.